Ça ne... Par contre, mettre dans un coin, c'est pas malin. C'est pas malin. Le mourir. Hello, hello tout le monde, c'est Lynx. Et bien, nous voilà de retour aujourd'hui pour un nouvel épisode. Épisode qu'on va appeler à la recherche de la Vrange. Parce qu'en fait, c'est tout ce qui nous arrête. On pourrait faire les mini-bikes. Elles sont prêtes. On a déjà les gros bâtiments, enfin, les grosses pièces qu'on a craftées pendant la nuit. Level 200 parce qu'on a augmenté le niveau de science, donc je suis niveau 4 en science, donc je crafte des pièces comme les mini-bikes 200 maintenant. Et donc maintenant on va essayer de suivre la route ici pour aller voir si on ne tombe pas sur une autre ville pour essayer de trouver une Vrange. Pourquoi tu casses des arbres alors qu'on s'en va ? On s'en va promener ? J'avais plus de bois. Je crois que j'ai tout laissé moi, à part des boissons. J'ai prévu les snacks, mais j'ai tout laissé, moi, à la base. On a le lit avec nous, donc éventuellement, au pire. Au pire. Au pire. Allez, donc on va avancer. On connaît un peu le chemin déjà, puisque c'est là-bas qu'on avait, on se rappelle, on avait fait la grosse recherche de la poule, qui apparemment a pris, mis son petit maillot de bain et est parti nager. Mais espérons qu'on va trouver une petite ville. Ou au moins juste un bâtiment. Il nous faut juste un bâtiment avec une Vrange au final. Il nous faut pas plus. Hop. Ou un airdrop avec 10 electrical parts. Ce qui est un peu moins vraisemblable. Mais on serait pas trop difficile de faire ça. Et des moteurs. C'est vrai, et des moteurs. Ouais. Donc une Vrange, c'est suffisant. Juste une Vrange, on demande pas plus. Tu as... Mais non, t'as pas de jus. Je vais te donner des jus aussi. Comme ça, tu... Les yucca juice. Comme ça, tu pourras les utiliser pour ta régène, si besoin. Merci. Let's go. Hoppa. J'adore ce petit... Encore une orque passante à droite. Ah oui, et elles sont pas petites en plus, hein. Ah, c'est hein. Dingue, quand même, hein. Bon, ceux-là, on avance. Elle va pas voir la base. Quand même bien les cow-boys. Non, non. Non. Eux qui donnent des munitions. Oui, oui. Mais tu sais bien que quand t'es avec moi, les cow-boys, ils ne te donnent absolument rien. Donc, non. Par contre, on va juste aller chercher les you. Ah, mince, j'ai plus de stamina. Et évidemment, qui est-ce qui a bu avant de partir? C'est Lynx. C'est Bibi. Et donc, qui est-ce qui ne peut plus boire son yucca juice pour aller vite? C'est Bibi. Exactement pareil. Hein. T'as fait pareil. c'est toujours le souci. C'est bête, c'est idiot. Ah! C'est idiot. Allez, let's go. Là-bas, il y a une maison, mais ça ne vaut pas la peine de la faire. Il faut vraiment une ville. En fait, pour maximiser nos chances, il faut vraiment une ville. Attention, Lynn, si un moustique te pique, il transmettra le virus à Loli. Hein? Quel virus? Je suis sous médicament, là. Je peux pas être malade. Je peux plus. Il y a vraiment des médicaments, mais super géniaux sur ce jeu. Et je sais pas pourquoi hein, nos médecins, ils utilisent pas ces médicaments-là. Mais si tu regardes, en fait, avec le médicament-là, je peux plus rien attraper tant que je suis sous les effets. Par contre, moi, mon arbalète, elle est quasi morte, ça, en fait, hein. Ouais, la moitié morte aussi, la mienne. Faudra s'en faire une deuxième avant que celle-ci ne meure. Ah, tu le tues? Ouais, j'ai plus de stamina de toute façon. Pas qu'à faire. Il en fait un bruit bizarre hein, quand même quand il meurt, lui. Non, mais allez, level 23! Qui dit mieux? Je serais moins la fière quand ce sera la horde, hein, que je serai level 40 ou autre. Mais écoutez, qui dit mieux? On va marcher ici pour ramasser toutes ces petites choses. De toute façon, on ne veut pas tuer les zombies, à part si Loli s'y met. Ouais, à part Loli s'y met, donc on va loot, nous, en attendant. Hein, voilà. On loot. Ah, j'aimerais bien voir là-bas ce qu'il y a au-dessus. On va aller vite voir ce qu'il y a là-bas au-dessus pendant qu'il s'occupe du vilain zombie. Oh, et regardez ça, tous les nids qu'on trouve. Mais nice.
S'il te plaît. Ah bah je me demande si c'est pas un marchand là aussi. Va aller voir. Oh, si c'est un marchand, ce serait génial. Cyprès. Cyprès, ce serait génial. On va chercher la. Enfin, oui. Ça se trouve, il a même une range. Oh, vous imaginez? Le truc. Mais, parfait. Parfait quoi. Parfait, parfait, parfait. Non. Hop. Voilà. On va faire le tour du tout. On a plus de stamina. Alors. Si tu suis la logique de ce jeu, c'est un antibiotique qui te permet d'échapper à l'infection, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Alors explique-moi comment le monde s'est retrouvé dans cet état. Mais parce que tout le monde n'avait pas les antibiotiques ou la recette pour crafter les. C'est c'est une workbench en fait. On a une workbench. Ah, il y a une mine. Il y a plein de champignons dedans. Mais t'as déjà vu ça toi? Ouais. On avait ce game allié. On part au biome désert, mais. Tout près du bunker. Comme ça, je les avais jamais vus. Ah ben allons-y alors. Caputon, Caputon. Oh, il y en a un qui va venir casser pour nous. Ouais, on va pas attendre. Coucou, monsieur. Et il y a Seb dedans aussi. Ah mais oui, je les connais, c'est vrai que je les avais montrées. Et mais elles sont pas comme ça les aventures. Oui, je vois. Je vois où elles sont. Enfin, j'en ai montré une ou deux quand j'ai présenté l'Alpha 15. Oh, c'est joli ça. Il y a safe ou alors il y a des bah la workbench elle est là, d'habitude elle est à l'intérieur. Oui. Ah mais on a un truc. Attention, il y a du monde par contre. Je prends des champignons. Ouais, vas-y. Je t'en prie. Help yourself. C'est moi qui régale. Amuse-toi. Ils sont tous morts. Tu peux avancer. Tu peux avancer. Mais c'est nouveau qu'ils se mettent ces trucs-là en random gem. Bon, en random gem, j'avais jamais trouvé ça. 3 mechanical parts. On n'est pas loin hein, des 6. Une wrench. C'est pas vrai. J'ai trouvé une wrench. Quel niveau? 83 à moitié morte. Mais bon, enfin, bon. C'est déjà ça, quoi. Mais c'est génial, bon ben on peut rentrer. Ah oui, vraiment? Ouais. Tu fais ça? Non mais d'accord. Alors, moi j'ai entendu du monde, hein, mais... On va se mettre là, sinon moi je vais encore casser les oreilles de mes viewers. Voilà. Bon, et ben alors, voilà. Je voudrais trouver... Une mini bike déjà montée dans le safe. Pourquoi pas? On va pouvoir démonter toutes les voitures sur le chemin du retour. Oui, c'est vrai. Enfin, toutes, je sais pas, mais il faut des electrical parts. Hein. On n'a pas d'electrical parts sur les voitures. Qu'est-ce qui nous manque en fait maintenant? Attends, ne le prends pas. Les moteurs. Scavenging, je suis level 19. Ouais, et je pense que Quality Joe, c'est le level 20. Alors je vais mettre un point dans Scavenging. J'aime pas faire ça, mais un point, voilà. Comme ça, on peut mettre Quality Joe. Quality Joe. Voilà. Et... Ouais. Shotgun receiver, stock. Pistol receiver, shotgun receiver et hunting rifle barrel. Ça va. Y a pire. Y a pire. Bon, et ben monsieur, let's go. Hein, on va sortir d'ici. Yep. Je démonte la workbench. Oh bah oui, ça fera des mechanical parts. Hein. Mais est-ce qu'on a besoin de mechanical parts? On en aura besoin après pour l'électricité. Oui, mais si on tue la wrench et qu'on n'a pas d'électronique, ah oui, on est mort. Enfin, tu vois, c'est ça le... Ouais. On va économiser. T'as pas une pelle sur moi, non. Sinon tu passes par ici, tu peux sauter dehors. Ça marche aussi. Alors, vous n'avez pas commencé à demander si l'Alpha 16 est sorti sur PS4. Alors, il n'y a pas d'Alpha qui sort sur PS,
Et il y a la 15 qui a le patch 1 qui 10 qui vient de sortir. Donc on se calme les gens. On se calme. On ne recommence pas les discussions de patch console et autres parce que il va y encore y avoir la guerre dans le chat. Bah du coup on continue un petit peu quand même ou on rentre? Ouais on peut. Aïe. On peut continuer jusqu'à la moitié de la journée, puis après faire demi-tour, et de toute façon dans notre ville avec la Wrench on devrait trouver ce qu'il faut. Croisons les doigts. Il faut deux moteurs et c'est ça qui va prendre le plus de temps et pour lequel la Wrench sera le plus il faut essayer d'économiser. Ça va être le plus tricky. Parce qu'on peut facilement utiliser une wrench et pas prendre un seul moteur. Ça par contre ça va être autre chose. Petit calcul et je m'abonne. Comment ça petit calcul et tu t'abonnes? Comment ça? Tu fais partie des bons, tu dois t'abonner. Y'a même pas besoin de compter. On est passé d'ailleurs les 6000, on était 6600 d'ailleurs tout à l'heure quand j'ai regardé. Je trouvais un chiffre rond, c'est bizarre. D'habitude quand je passe, j'ai jamais un chiffre rond comme ça. Donc ça fait du bien. C'est bizarre. Wapa ! Non, raté. Ah tu ne suis pas toi, t'es où? Si si mais je prends Denis de UK. Je fais le plein. Ok, je vais continuer d'avancer alors pour voir si si on trouve quelque chose sur le chemin. Et bienvenue Titouan. Bienvenue dans la communauté. Là, moi, je sens le biome plat devant. C'est très très plat, une zone plate comme ça. Je sens qu'il y a une zone, une ville qui va commencer à popper à partir de maintenant. Il y a une arche. Ça sent bon, ça, moi, je dis. Ça sent bon. Dites-moi que ça sent bon. Dites-moi que ça sent bon. Le vautour, ça sent bon, quoi? Pour moi, oui, parce qu'il est loin. Mais cours, tu verras bien, tout va bien se passer. C'est une devise qu'on a fait avec Evil sur la partie qu'on fait avec Evil et bizarrement parlant ça fonctionne très très bien hein, cette devise là. Cours, tout se passera bien. Le problème c'est que tant que t'as de la stamina c'est bon. Une fois que t'en as plus, ben tu comptes sur l'autre. Aïe 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 aïe. Alors on va reprendre un petit peu de stamina, c'est pour ça que je loot parce qu'on a plus de stamina. Ah ça sent pas bon. Ça sent pas bon. 6620 abos. Bah ça reste rond, c'est bien. C'est joli. Je pense que vu l'Alpha 16, s'il y avait une ville, on aurait déjà vu les premiers bâtiments. Ah, ça sent mauvais. Ça on aurait plus loin la ville. Ah. C'est super plat comme ça, c'est ennuyant. Elle est longue cette voiture-là, Rouloute? Elle me semblait qu'elle était plus longue que d'habitude. Oui, il me semble qu'elle va plus vite. Peut-être parce que... Ah, j'ai un casque du mineur, si tu veux. Ah, bon, ça. Enfin. Un 25. Mais bon, c'est ouais, un petit détail, hein. Et Black Sheep, bienvenue. Bienvenue dans la communauté. Bon, par contre, il fait chaud. Donc, ce qu'on va faire, comme on a un petit peu soif, c'est... Glou, 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 glou. Et... Et on redevient un flash. Allez, trouve-moi un petit bâtiment. Une ville, mais... Qu'est-ce qui se passe? Plus un wellness. Ok, très bien. Non, c'est du pierre, on ne le veut pas. Une route si plate comme ça, sans absolument sans rien. Non, c'est pas possible. Il y a un truc au bout. On le sent. On le sent, il y a un truc au bout. Et en fait, il y aura croisement rien à droite. Ouais, c'est ça, mais non. Il n'y aura rien au bout. Il y a un code bandit. On va rien ajouter au code bandit, mais c'est pas grave. Plein de coton. Moi, je veux un marchand. Enfin, le marchand, il sera pas sur la route, hein, donc il faudra faire des petits chemins sur les côtés. Droite et je crois même qu'il y a gauche. Nous sommes à une intersection. Et là, le choix est difficile. Gauche ou droite? Les viewers, vous choisissez. Le premier qui répond, c'est la direction qu'on prend. Dépêchez-vous les viewers. Bonjour. Non, c'est pas une direction, bonjour. C'est gauche ou c'est droite? Dépêchez-vous, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Pendant ce temps-là, je vais... je bois un petit peu. Ou j'ai plus rien à boire. Tout droit, non tout droit on peut pas. Droite. Droite. Eh ben droite. Je crois que tu les as
Tu les as influencés. Je pense que tu les as influencés. Alors, celui qui m'a demandé si le serpent se mange sur ce jeu, je crois qu'il mérite un ban à vie. Un ban à vie de ma chaîne. Parce que j'en ai jamais même approché un, donc comment veux-tu que je sache si ça se mange? C'est vrai que c'est une bonne question. Ouais bah écoute, si tu veux, tu t'en fais pop un et tu regardes, hein, mais... Non, ça va. Non mais ça va. Ils sont... En fait, ils disent, hein, ils disent de moi qu'il y ait la phobie et tout ça, mais ils sont contents que je les retire, les serpents, quand même, hein. C'est chat ou chien, à ton avis, est-ce que c'est vraiment une question? Chat ou chien, est-ce que c'est une question? Pourquoi pas les deux? Mais... Non, mais si tu dois choisir, y a même pas de choix en fait. Y a même pas de choix. Excuse-moi, mais j'ai pas le temps. Je suis pressée. You are overeating. Overeated. Voilà, on met notre petit poncho de beige. Et on est parti. Let's go. Les messieurs qui se lèvent. Et tout, et tout. Ah! Une ville! Nice! Oh, on l'a trouvé! Bon, moi j'ai tout aggro dans mon dos, hein. Tu te débrouilles. Hein. Ça, ouais, ça je vois, j'arrive, je le retire dans le dos. Oh, mais elle est géante! On va bouger la base. Le problème c'est que c'est un biome désert. Oh, regardez-moi ça! Il y a le biome plein juste à côté, non? Ouais, non. Et malgré le poncho, on descend pas en chaleur? Si, ça descend. Oh, mais chaud, il fait moins 20. Il y a même un truc de militaire. Par contre, j'ai plus de stamina. T'inquiète. Ouais, il y a le Black Mesa dessus. Pardon? Il y a la Black Mesa dedans. Oui, non, un camp militaire aussi. Une. Oh. Oh. Regardez-moi tout ça. Bon, là-dedans, si on trouve pas une wrench, j'arrête 7 days. Je fais plus jamais de 7 days. Plus jamais. Compris? Là, il y a un magasin. On fait le magasin en premier. Let's go. Comme ça, on se met sur le toit. On se met dans la grange, comme on a... pour nous rappeler du bon vieux temps. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme bâtiment? Est-ce qu'il y a des bâtiments qu'on ne connaît pas? Ah bon? Est-ce qu'il y a des bâtiments qu'on ne connaît pas, qu'on se mette dans ces bâtiments-là? Comme ça, on peut se faire un petit avant-poste. Pour looter tout ça, on va avoir besoin de plus qu'une petite base. On peut se faire un petit avant-poste. Et il y a des champs aussi. Ah oui, ça, on les prendra en ressortant. Est-ce qu'il y a... Je vais juste faire un tout petit tour. Bon, tout va spawner, mais c'est pas grave. Je vais juste faire un petit tour, comme ça, on va voir s'il y a un bâtiment qu'on ne connaît pas. Et s'il y a un bâtiment qu'on ne connaît pas, peu importe où il est, on s'installe dedans. Si pas, on se mettra dans... Peut-être sur le magasin, sur le toit du magasin, c'est peut-être mieux que sur la grange étant du bois, je sais pas. Mmh. Alors là, mais ça on le connaît, c'est le jardin d'enfants. Enfin, c'est un nouveau, mais on le connaît. Donc, bon, il est en bord de ville, on pourrait à la limite se mettre dans le jardin d'enfants. Du bois aussi, donc c'est un peu dommage. Vous le sentez, les gens, que je vais faire spawner des loups et que je vais devoir partir en criant? Vous le sentez, ça, les gens? Ah bah c'est bon, j'ai la case de lumière. Ah. Ça va, dis tout de suite que tu veux pas le mien, hein. On a compris. Il est méchant, les gens, il veut pas de notre aide. Il veut pas de notre aide. Je vais une deuxième wrench. Lynn, si t'en trouves pas, dis-nous, on ira chez Castro pour t'en acheter une, au pire. Arrête pas 7 days. J'arrête. Si je trouve pas une vraie là-dedans, j'arrête. Oh, regardez, il y a une petite maison là-bas au-dessus. Oh, pour avec Evil, pour notre arrêt déco, ça aurait été l'endroit parfait. Enfin, quoique, le biome désert, c'est un peu moche. L'arbalète, tu l'avais déjà. Hein. Je sais pas. Non, je crois. Oui, je l'ai. C'est moi ou il vient de se faire tuer par un cactus, lui? Nickel! Alors ça, on le laisse pas traîner, on le ramasse tout de suite. On n'a pas envie qu'un zombie... Ah non, ça va, j'ai cru que c'était un de ceux qui courent. Ah bah écoute, j'ai trouvé un bâtiment dans lequel on peut rester. Bon, il est juste dans le fond de la ville, mais...
Mais en plus, il est en pierre. Ah non, on le connaît. Je crois que c'est l'hôtel, ça. Oui, on le connaît. On le connaît. Ouais, ça lague un petit peu. Je suis désolée, mais je crois que c'est parce qu'on génère en même temps. Un pass and gas. Jail. Elle est énorme, cette ville. Elle est énorme. Énorme. Par contre, je crois pas. J'aurais voulu trouver Le la station. bunker? Je suis là? Ouais. J'aurais voulu trouver la station de pompiers en fait. Mais je le trouve pas. Pouvoir se faire un petit corps de base dans le bunker. Ouais, attends, on va juste voir s'il n'y a pas vraiment de nouveaux bâtiments. Là-bas, je crois que c'est quoi ça comme bâtiment? C'est peut-être la boîte de nuit, ça. Mais comme c'est là, je crois qu'on les a tous, on les connaît tous. Et bonsoir à toutes les personnes qui nous rejoignent. Plus on a un champ de myrtille juste en face. Pop and pills. Book. On est pas mal, hein, les gens. Je crois que c'est une belle ville. Hein. On va passer un petit peu de temps dans cette ville-là. Il y a moyen qu'on passe un petit peu de temps dans cette ville. En fait, c'est deux villes l'une à côté de l'autre. Je pense bien, oui. Parce qu'elles sont quand même énormes. Celle-là, on la connaît. Bon, mais je crois qu'on va, on va essayer de rentrer un peu dans le pratique et commencer à faire ce qu'on doit faire, les gens, parce que là, on va pas, on trouvera rien de nouveau. Je pense qu'on les, on les connaît tous maintenant. C'est quoi ça? Ah, c'est le fameux bar. Vous savez, le bar où il y a toutes les mines dedans, là, que Mano est mort, mort deux fois. Moi, je dis en odeur à Mano, on aurait pu se mettre là-dedans. Moi aussi, je suis mort. Ici. Ouais, bon, on est tous morts, je crois, dans ce bâtiment. Ouais, je crois. Oui, c'est toi qui m'as tué d'ailleurs dans ce bâtiment-là. Ah oui, ben on est morts tous les deux en même temps. Oui, tu sais, tu m'as tué sur ce bâtiment-là. Oui, tout à fait. J'ai marché il est où sur une mine et t'étais malheureux. En fait, c'est pas, c'est même pas une mine sur laquelle t'as marché. Tu sais, c'est quoi? Un cooking pot. Ah ouais. Et justement, ce jour-là, il y a quelqu'un qui disait, ouais, les cooking pots qui explosent, est-ce que c'est une, ça existe ou c'est une légende? Eh ben, ça existe. Ça existe. Le livre vous l'a prouvé. Ça existe. Si vous passez vraiment au ralenti, je crois que c'est le dernier épisode de la deuxième expérimentale. Le dernier épisode, si vous avancez vraiment au ralenti, vous allez voir à un moment, c'est le cooking pot sur lequel il marche. Et airdrop? Airdrop? Donc on y est. Il est où le bunker du coup, le lit? Là où je suis. Là où tu es. Et ben let's go. Et l'airdrop, il est où? Du coup, alors on va juste le marquer. Si jamais on ne le marque pas et qu'on le fait pas aujourd'hui, il va la notification va s'enlever. Hop, voilà. Bon, écoutez, je pense que c'est pas mal hein, déjà comme petite petite exploration. Petite ville. Ah, comme quoi, tu vois, on s'installe parfois un peu vite. C'est bien de vouloir s'installer parce que comme ça, tu peux commencer vite à ta base, mais. Quand tu vois ça. Bon, en même temps, on n'a pas. Non, c'est bon. On aura en même les temps, une fois qu'on aura les mini-bikes, ça ira vite. Hein. Ouais, c'est ça ce que je me dis. Et puis, s'installer dans une grande ville comme ça, c'est spawn de zombies à mort. Mmh. Puis, c'est biome désert, donc c'est pas forcément l'idéal. Pas ouais. Le même. Alors, où est-ce qu'il est? Ah oui, c'est ce bunker-là. Mais elle a chaud, mais tu crois qu'elle va, elle va perdre un petit peu de soif pour que je lui puisse lui faire boire? Non, même pas. Bon alors les gens, dans le chat, est-ce qu'on se met dans le bunker? Alors, qu'est-ce qu'on avait comme bâtiment? On va les laisser décider. On a le bunker, mais le bunker, on l'a déjà fait, en fait, sur Alexandria, mais vous l'avez pas vu, je pense. On a le bunker, on a l'espèce d'hôtel qui est un petit peu plus loin. Je pense que c'est tout encore comme bâtiment sympa sur lequel on pourrait faire notre base. On veut pas travailler trop sur la défense, donc il nous faut pas un bâtiment en bois. Donc on a soit l'hôtel, ça va être grand à défendre, ou on a le bunker. Est-ce que le bunker vous voulez? Dans le bunker, oui, bunker, bunker. Ok, ouais, ça va, bunker, ils veulent bien. Moi qui me disais que vous alliez pas vouloir parce qu'on l'avait déjà fait et c'était connu, bah en fait, allons-y. Hein. Allons-y. Alors le bunker, je sais plus c'est où. Ah! Mince, je l'ai montré en vidéo. Sur mon solo,
Je vous l'ai montré. Quand j'ai trouvé le bunker, il y a en fait un bloc. Je sais plus c'est lequel. Je crois que c'est le quatrième. 1, 2, 3, 4. Alors, je sais plus si c'est celui-là ou celui-là. Quand tu le casses, tu as juste un bloc de concrete à casser et tu tombes dans le bunker. Et ça va plus vite en fait de casser le bloc de concrete que de casser la porte. Nathan, on se calme. Hop! Par contre, il faudrait des échelles. Aïe! 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 Non mais aïe! Je cherchais un petit peu de bois. Pendant qu'il fait avec sa pelle, moi j'ai pas de pelle donc voilà. Non, par contre, j'ai pas de place. Attends. T'as pas deux? J'ai pas de place. Ah, moi j'en ai. Au pire, y a pas. On peut se faire un petit coffre, hein. Je dois mettre toute la nourriture dans le frigo. Ouais, c'est ça. Ça fait. Voilà. Vous le connaissez quand même, le bunker ici, les gens? Non? Attendez, est-ce que c'est le bon? Ah, on n'a pas encore cassé le. Ah, je me demande si c'est le bon. Je sais plus. Je sais plus si c'est le quatrième ou si c'est le cinquième qu'il faut casser. Je ne sais plus. Ça a l'air d'être du concrete. Oui, t'as juste un bloc de concrete. Mais tu n'en as qu'un et puis après tu tombes directement dans le bunker. Au milieu des sleepers. Ah oui, c'est vrai qu'en Alpha 15, il n'y avait pas ça. Mais bon, de l'autre côté, tu vas quand même tomber. Tu vas devoir casser la porte et tout ça. Tu vois, t'as deux blocs aussi et tu seras quand même dans le milieu des sleepers. Tandis que là, t'es au-dessus de l'échelle et tu peux mal. Ils vont pas te taper. Yep. Alors. Attendez, wood frame, on va faire des wood frame. On va sécuriser la descente, nous, pendant qu'il casse. Tu veux peut-être que je casse, moi? J'ai peut-être un peu plus de. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Non, arrête! Arrête, j'en ai déjà. Peut-être mettre une trappe aussi. Ouais, mais il y a déjà une belle. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Arrête, arrête. Oh, idiote. Mon personnage est vraiment bête. Mon personnage est vraiment bête. Vas-y, sors. Voilà, on va prendre les échelles. Pas besoin de casser tout ça. Non, mais c'était pour que tu puisses descendre. Monte tes Oh. piles sur. T'inquiète pas, j'aurais pu descendre. Avant de mettre la prochaine, je vais y attendre parce que. Hop, et on mine. Alors, est-ce que c'était celui-là ou est-ce que c'est le prochain? C'était celui avant ou celui après? Je sais plus. Je sais plus. Je sais plus. Dites-moi que c'est celui-là. Dites-moi que mes souvenirs sont bons. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à une lampe. Ah bah nickel! Ah bah c'est bon alors! Je peux la wrencher. Oui, c'est vrai, je peux la wrencher en effet. Et en fait là vous avez qu'un bloc de béton de 3000 à casser. Tandis que si vous passez de l'autre côté, vous avez ou la grosse porte qui est super 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 renforcé et ou alors deux blocs de béton. Ce qui fait aussi que grâce à ça, vous laissez les portes qui sont super bétonnées et tout ça, qui sont renforcées, vous les laissez pour vous protéger vous. Vous avez vu la porte au-dessus, elle est super protégée et en bas c'est la même chose. Alors par contre, on doit descendre. Ah voilà, j'ai pas ma lumière qui est allumée moi. On va récupérer nos échelles. On va la faire un peu à la Sneaky Ninja. Hop, ninja. Il y a des zombies qui dorment. Le lit, faut pas les déranger. Aïe. Pourquoi tu fais ça? Ah, c'est pas moi. J'étais dans mon inventaire.
Merci, madame. Voilà. Alors maintenant, on commence l'infiltration. Ok. Chut, les gens. Chut. Le lit. Chut. 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 Ça, c'est génial, en fait. Parce qu'avant, tu rentrais là-dedans, tu bourrais, enfin, tu vois, t'avançais comme si de rien n'était, machin. Maintenant, tu dois vraiment prendre ton temps. Je trouve ça sympa, en fait, qu'on doit vraiment. Enfin, peut-être en vidéo, vous trouvez ça peut-être moins sympa, mais tu dois vraiment prendre ton temps pour nettoyer tout avant de looter, avant d'être tranquille. Ok. Lock. Ici, on est tranquille, plus ou moins. Et c'est de la vitre. Ah oui, je me demandais s'ils allaient mettre de la vitre incassable ou. Mais y a personne? Apparemment non, il y n'y avait avait qu'une qu'une infirmière. infirmière? C'est une blague? Bon. Maintenant, si ça se trouve, il y a du monde dans les toilettes ou dans celui où il y a les safes. Ah, ici. Y a du monde? Il y avait. Ah, ils bah ont oui. changé. Pourquoi? Tu sais, c'était des dortoirs aussi avant? Ouais, mais c'était des vieux lits. Ah oui. C'est pas grave, ils ont décidé qu'ils allaient commencer à prendre soin de leur personnel dans cette agence. Alors, let's go. Est-ce qu'on a de la chance sur le scavenging? Est-ce qu'on a de la chance? Est-ce qu'on a du papier? Ah, il est dans la porte, derrière la porte? Ouais. Ah, ça vaut peut-être la peine de passer de l'autre côté pour le tuer, non? Qui laisse la porte telle quelle? Attends, je vais faire le tour. Ah, tu peux le tuer? Nickel. Avec balle de shotgun, ça te dit? Ouais, ça me dit, sauf que j'ai pas le shotgun, mais logiquement, il y a un ferral. Ça ne veut rien dire. D'une partie à l'autre, les zombies spawnent aléatoirement, mais... Et en fonction du... Du level et autres, ça ne veut rien dire. Alors, Wrench? On a une? Avec toutes les... Non, mais je me dis, avec toutes les armoires qu'il y a ici dedans, si on va peut-être avoir une wrench. On a un cooking pot, donc ça, c'est parfait. On va pouvoir se refaire une petite cuisine ici. Hop. Bon, non, il n'y a pas de deuxième cooking pot, c'est dommage. Bon, là, par contre, il va y avoir quelqu'un. Hein. Où est-ce qu'ils sont? Ah, ils sont en haut. En haut. Bon, ouais, c'est une porte passante. Ouais, on est détective, donc ça c'est bon. Ouais, on l'entend qu'il marche au-dessus. C'est toi qui viens de casser du bois? Du bois, non. Une caisse, pardon. J'ai cassé une caisse en bois. Ah ouais, ok, ça va. 5, t'as entendu? Ou alors ça veut dire qu'ils sont en train de péter... On peut monter voir, hein. Pourquoi? Pourquoi tu... Voilà. C'est mieux Ark ou Seven Days? Je pense que c'est difficile de répondre à ça. Si tu aimes bien le PVP et autres, je te... Enfin, ouais, quoique, il y a du PVP sur Seven Days aussi. Ark, en fait, va grossièrement différencier de celui-ci. Ark, tu vas pouvoir t'aimer des animaux. Il y a des gens qui adorent ça. Je suis la première à adorer ça. Ça va être ce qui va différencier. Maintenant, on va scraper les chaises, comme ça on récupère assez de bois pour faire un coffre. Ark, tu vas pouvoir faire ton histoire comme tu veux. Tandis que Seven Days, tu as cette petite pression de te dire, pour le jour 7, il faut que j'ai une base qui est faite. Donc ça, t'as un peu ce tower defense que Ark n'a pas. Donc c'est un peu difficile de vous dire ça. J'ai 4 electrical parts, du coup. Hein. Tu peux wrencher le générateur d'Ark aussi. Ouais. SMG, bon j'ai un truc d'SMG de peinture, je vais lire les... Ah je le connais, c'est pour toi. Je me suis complètement vidé dans le coffre. Hop hop, comme ça, si jamais besoin, on peut mettre tout directement en commun. Je récupère juste mes flèches. Yep. Hop, voilà.
Ouais, on va wrencher ce truc là. Parce que vous voyez, il est destroyed, hein. C'est écrit destroyed, empty destroyed. Donc on le wrench pour ça, hein. Alors. On obtient quelques petites choses. On obtient quelques petites choses. C'est la course à... dans le chat, c'est drôle de voir ça derrière. Alors, on a un petit peu... Bah écoute, on a nos 8 electrical parts. Hein. Qu'est-ce qu'il nous fallait en fait pour faire le end le bar? Combien il nous en fallait? Il nous en fallait 10, donc on va faire une petite lampe en plus. On va faire celle-ci parce que celle-ci, elle ne lumine pas. Encore une et on est bon. Encore une et on est bon. Et voilà, on a les 10, on est bon. Alors ce que je vais faire, je vais arrêter de wrencher ça. Parce que il faut qu'on utilise la wrench pour avoir des moteurs. Donc moi ce que je vais faire, pendant qu'il fouille... Ah, quoique, c'est moi qui ai le meilleur scavenging, donc il vaut peut-être mieux que ce soit moi qui ouvre les coffres. Ah, je sais pas toucher. Attends, est-ce que... Non, ce sera niveau 40, j'aurai pas 40 en scavenging. Est-ce qu'on... Attends, tu sais quoi? Laisse ça... Oh! Aka... Aka Blueprint, on fera ça de nuit. Autant essayer, il est 17h, autant essayer d'aller dehors et ok. Il fait jour. T'as mis où le coffre? Tu vois où il y avait la... Ouais. Je l'ai. Ouais. Alors on va juste refaire ça. Comme ça, ce sera plus facile pour remonter. Remonte, voilà. Pour remonter. Attends, tu veux bien descendre? Attends, descends un tout petit peu. Que je puisse mettre un bloc là. Ah, je peux pas. Ou alors, c'est que peut-être qu'il n'y a pas de... Ah oui, c'est vrai qu'on avait plein de trucs dans le frigo, là. Ouais. Alors, voiture. On va... Il y a plein de voitures, donc on va faire... On va wrencher les voitures qui sont complètes. C'est comme ça qu'on aura plus de chances d'avoir... d'avoir des moteurs. Alors, let's go! On va essayer de croiser les doigts. Et bonsoir à toutes les personnes qui nous rejoignent. On croise les doigts, il nous faut 2 moteurs. Pas de moteur. C'est un peu comme partout, il y a toujours des gens pour manquer de respect, c'est hallucinant. C'est encore assez rare sur notre chat, donc je suis encore assez contente de ça. Allez, vas-y, Mechanical Parts. Mechanical Parts, tu peux le faire. On n'a pas besoin de Mechanical Parts pour le moment. Donne-nous. Alors, elle est pas entière, donc on va éviter de la looter. On va éviter de la looter. Là-bas, il y a l'air d'en avoir. Ah mince! On a mis nos boissons dans le coffre. Tu veux que je te remonte? Oui, je veux bien, parce que j'en ai même pas une vide. Ouais, j'ai même pas une bouteille vide. Tcha 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 tcha. Oh, on va la loot d'abord. On la loot d'abord. 3 clous. 3 clous. De toute façon, je pense qu'on va passer la journée. Et puis, quand on sera nuit, on déconnectera. Et on commencera comme ça sur la nuit dans le bunker, le live de vendredi. Attends, je vais te mettre les yuka dedans. Oui, vas-y. J'ai un moteur, 325. Bon. Nice. Et ça va, la wrench tient encore un petit peu. Ouais. Est-ce que tu crois que ça vaut la peine de continuer la voiture? Vu qu'elle a déjà donné un moteur. Non, je crois pas. Je ne sais pas. Je crois pas qu'une voiture donne 2 moteurs. Logiquement, dans la vraie vie, une voiture ne donne pas 2 moteurs. On est tout à fait d'accord. Sur 7 Days... Peut-être. Voilà. Logiquement, on met pas des moteurs de voiture sur les motos. On a peut-être traficoté le moteur de voiture avant de le mettre sur la moto. Aussi. Ça, et s'il y a un champ, pas. Il n'est pas poussé. Je crois qu'il pousse si on attend. Oui. Si les plantes sont pas mortes, oui. Oui, oui. Ils nous en voûtent en vrai. Car pour ma part,
c'est live en musculation, live au travail, live à vélo, live dans le bain, live en attente de conférence. Alors, le live à vélo, par contre, VIP, tu arrêtes. Tu arrêtes ça tout de suite. À part si c'est du vélo d'appartement, le live à vélo, tu arrêtes. Non. Non. Alors, est-ce qu'on a... Non. Je crois que... On va... Je suis pas sûre que tu veux savoir que tu regardes tes lives dans ton bar. Oh, c'est pas non plus... Alors on essaye encore ce niveau-là et après on changera. Là on prend plein de mechanical parts, donc ça c'est sympa. Quand tu regardes un live de Leeds dans ton bain, tu regardes... on ne veut pas savoir, mercenaire. Personnellement, on ne veut pas savoir. Enfin, personnellement, non, personne ne veut savoir. C'est un... C'est des voitures électriques avec un moteur par roue. En fait, en même temps, on n'a pas de roue quand on wrench les voitures. C'est aussi pas très très logique, ça. Mmh. C'est vrai que c'est pas logique. En même temps, les roues de voiture et les roues de moto, c'est pas la même. Oui, mais bon, ça, ça reste dans le domaine du... Enfin, voilà. Bon, on va pas aller plus loin. On va faire celle-là. Celle-ci, elle a pas l'air d'être cassée. Donc, il y a peut-être moyen. Ce jeu est moche, non. Non, il est pas moche. Enfin, si tu le compares, par exemple, à du Ark, à du Animalia... Je peux comprendre que le jeu vous semble moche. Maintenant, il faut garder toute proportion. C'est un jeu qui est complètement modulable. Donc, si j'ai envie ici de créer maintenant un énorme trou, faire ma base dedans haute, je peux le faire. C'est vraiment en voxel, donc je peux vraiment faire tout ce que je veux. Et pour un jeu qui permet de ça, non, c'est pas moche, je trouve. Il y a très peu de jeux qui permettent de faire ça. On se retrouve avec 3 cases de mineurs. Pas à se plaindre, hein. On me plaint pas. Alors, vous savez quoi, j'hésite à faire ce niveau-là, parce que ma vraine, je commence à mourir. On va faire ce niveau-ci, sur cette voiture-ci, et on ira faire le bâtiment. Le bâtiment, là-bas en haut, il y a des cuisines. Non, c'est pas une cuisine rouge. C'est moi ou la bouteille de Jack Daniels. De Jack Daniels. Ah, ça, c'est de l'huile pour voiture. Si tu mets de l'huile pour voiture dans tes cocktails, ne m'invite pas chez toi. Je sais pas qui voulait m'envoyer, qui voulait m'inviter pour boire un verre, mais non, ça ne va. Si c'est toi, non. Absolument pas. Je me débrouillerai sans toi. Mais il faut aussi deux cartes de batterie. Mais les deux batteries, on les a, en fait. Il y a juste les moteurs qu'on n'a pas. Allez, 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 allez. Allez, 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 tu peux le faire. Tu peux le faire. Enfin, je pense que le premier niveau, on peut pas choper de moteur. Je pense que c'est sur ce niveau-ci qu'on peut en choper. Ah. Est-ce que je vais jusqu'à fond de la wrench? Ou Ouais, on en trouvera bien une dans tous les bâtiments qu'il y a ici. Parce que je me dis, on pourra peut-être la réparer si on loot du... style. C'est peu probable. Ah. Non, je l'ai pas. Bah, je vais pas la terminer. Il reste 26 de durabilité, je vais pas la terminer. On essaiera de la faire fondre. C'est, à mon avis, elle vaut mieux d'être fondue, du coup. Bah, allez, tiens, on peut aller à le booby trap. Dans quoi est-ce qu'il y aurait des... Non, celui qui explose, celui-là. Oui, mais il y a des cuisines rouges. Dedans. Oui. Mais il y a des mines. Oui, mais il y a des mines. Oui, mais il y a des... Oui, mais il y a des mines. Oui, d'accord, mais il y a des cuisines. Oui. Mais il y a des mines. Bon, alors, est-ce que nous allons exploser pour terminer ce live? Vous êtes prêts, les gens? On termine le live là-dessus. Oui, Lynn, c'est que sur le deuxième niveau qu'on chope les moteurs. Oui, je m'en suis bien douté que le premier n'avait pas l'air de me donner grand chose. Voilà, merci. Et, comment j'arrive à viser le dessus de la porte? C'est pas possible. C'est pas possible. Bon, allez, viens. Voilà. Ah, j'ai chatouillé mon nez.
J'ai chatouillé mon nez. Arrêtez de penser à moi, les gens. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Ah, ça fait chatouille. Ça fait chatouille. Par contre, 20h. Donc il va falloir. Allez vite. Mais pas trop. C'est bizarre quand même comme position. Je veux bien que t'es très voilà, comment on dit ah oh, mince, je sais plus le nom. Quelqu'un qui peut faire le grand écart et tout ça, c'est quelqu'un qui est très quoi? Souple. Souple, oui, c'est ça. Je veux bien qu'elle est très souple, mais quand même faire ce qu'elle faisait, c'était quand même pas possible. Oh, arrête avec la crossbow aujourd'hui, Lynn, t'as pas compris encore que c'était pas faisable. T'y arrive pas aujourd'hui. Ça ne. Par contre, mettre dans un coin, c'est pas malin. C'est pas malin. Je vais mourir. Je vais mourir. Je vais mourir. Oh. Regardez comme il. Mais regardez-le, lui. Il met. Viens juste mettre la dernière, quoi. Incroyable. T'es où? Tu pas quoi? Ah. Les mines. Ok. On laisse faire. Ici dedans, je suis sûr qu'il n'y a pas de mine. Moi je reste ici dedans. Ah, par contre il y a une madame là. Non, elle est morte, j'ai eu. Ah. On va chercher les bières. Et ici dedans. Ah. Casse register, c'est fait. Ah, oh, il y a un safe là. Potmine. Attends, regardez les gens. Ah, ben, oh mince. Attends, tu me. Couvre-moi 2 secondes, j'ai mon micro qui a faim. Ouais. Attends, 2 secondes. Hop, voilà les gens. Vous voyez ça là? Ah bah attendez, hop, regardez. Mets 2 flèches dessus. Ça marche, ça fonctionne pas, hein? Évidemment. Je n'irai pas marcher dessus, non. Mais si, pour montrer aux doigts. Voilà, vous avez vu. Et alors, je crois qu'il y en a encore une quelque part par ici. Il y a un Oliver là. Où ça? Ah, là par contre, j'ai pris des dégâts. Il est un peu trop près. Pas grave, c'est que lui. C'est pas grave. Bon, je crois que maintenant. On a c'est terminé. Fini. Je crois. Que c'est fini. Il n'y a plus de mine. Je pense. On était mort que 3 fois. Par contre, là. Là, dans Yen Vrench. On monte sur les murs, nous. Hein. On reste pas au sol. On se met pas au sol. Moi, je veux plus au sol. Oh mince, elle est destroy. Oh, dommage. D'accord, je crois que c'est bon. Je crois qu'on est tranquille. Ah mince. Il y a des trucs rouges, mais on peut pas les loot. C'est moche. C'est moche. Là-dedans, il y a une vrench. Il n'y a pas un magasin d'outils? Dans, on n'a pas vu. Dans les toilettes, il y a des meubles rouges aussi. Et il n'y a rien dedans. Il n'y a pas un magasin d'outils aussi, non? Ah! Alors là, il y a encore des. Là, il y a encore des trucs rouges. Il y a encore moyen. C'est notre dernière chance pour ce live, les gens. Dernière chance pour ce live, si, d'avoir. Il est 21h20 quand même. Ouais. C'est bon, on n'est pas très très loin. Okay. On n'a pas noté où c'était. Oh, tu le vois, hein, où c'est. Ah, blueprint. Bon, du truc de sang. Une splint. Allez, on y va. On s'en va. Il y a un safe là par contre. Alors c'est où? Là-bas. Hop. En fait, moi j'ai un marqueur dessus. Donc ça va. Ok, d'accord. Oh, mais en fait, il y a un coffre, il y a une chasse au trésor tout près. Moi, je vous dis, chasse au trésor de nuit. Là, il y a Lulu qui se dit, pourquoi tu donnes des idées pareilles? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Il est où? Il est là. Il est là. Ok, et eh ben voilà, on est à la maison. Mince.
Zut. Doucement. Voilà. Voilà. Et ben voilà, on est à la maison. On va vite ouvrir. Allez, il a cassé les... on n'a pas cassé les safes. On va vite ouvrir. Allez, on va vite ouvrir ça aujourd'hui. Et pour les autres safes, et ben vous le saurez vendredi. Il faudra que vous veniez vendredi pour voir ce qu'il en est. 2, 1. C'est une blague. C'est une blague. 13 balles de 9 mm. C'est une blague. Oh tiens, avant il y avait 3 safes ici, il n'y en a plus qu'un. Ouais. Oh mais mince, c'est une blague. L'arnaque. Oh mais c'est trop de l'arnaque ce truc. Je fais greffe. Vendredi, je fais greffe. Voilà. Vendredi, on fait greffe. Vendredi, on fait greffe. Eh ben écoutez les gens, je propose qu'on arrête ici la petite vidéo. Bon, c'est déjà un épisode assez bien rempli au final. On a marché beaucoup, donc je vous aurais certainement fait des petits coupages, hein, vous l'avez vu de toute façon dans la vidéo. Mais voilà, ça nous occupe plein de bonnes choses pour le live de vendredi, pour les prochaines vidéos, hein, vous. Donc je vous fais plein de bisous bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Ciao. Lins, Mano, tout le monde, excellente soirée à vous. Prenez soin de vous. Bisous. Be happy. Attention, pas de life. Sur le vélo. Eh bien écoutez les gens, je vous fais moi aussi de gros bisous. Je crois qu'on va arrêter... on va arrêter le live ici aussi également. Nous, on va juste finir d'ouvrir ce safe et on ne l'ouvrira pas. On l'ouvrira ensemble dans le live de vendredi, comme on l'a dit, en vidéo. Tiens, attendez, on est où? Ah oui, il y a juste un safe, mais derrière la maison, en fait. Un safe. Un trésor, mais juste derrière la maison. Ça peut être sympa à faire. Du coup, on peut le faire de nuit. Du coup, on peut le faire de nuit. Bon, bienvenue, Benjamin. Ouais. Ouais. Non, à côté d'une ville, toi, tu trouves ça une bonne idée, toi? Ça pourrait être fun. Mais écoutez, moi je propose, je me mets en game mode, au-dessus de lui, et on le regarde. Ça pourrait être encore plus fun de le voir courir dans tous les sens et tout ça. Non, non, il y a le chat qui dit... Ah, mais c'est pas ça qu'il parlait, je pense. C'est pas ça qu'il disait. Stop, on bouge plus. Ah. Mais... Trop tard. Mais, je vous ai le petit enfant. J'ai rien fait. Eh bien écoutez les gens, voilà, on va déconnecter ici. Moi je vous fais plein de bisous bisous. On se rend demain